tronc populaire dans la tradition orale africaine et européenne. L'œuvre avalée du 7e siècle des Charles Perrault, Madame Tournoi, dans le conte littéraire destiné a priori à un public contemporain. Géant des contes de fées à l'esprit effrayant, se nourrissant de chair humaine selon le petit Robert, l'œuvre est un mangeur mythique, dont les habitudes démesurées et anthropophages marquent siècle après siècle l'imaginaire des grands émotifs. Être surnaturel dont on ne sait trop s'il est de nature humaine, animale ou divine, riche collectionneur d'objets magiques comme les bottes de Séclieux, géant métamorphe, brillant de chair, fraîche, enfantine, l'œuvre, selon Arlette ou Blounier, possède flair et rapidité, mais est souvent malvoyant et dupe. Il se laisse notamment berner par le petit pousset et le chaboté chez Béraud. L'épistabilio identifie cinq traits propres au mythe de l'œuvre, soit la mendication, la chair, la faim, l'excès et la victime innocente. Dans la poche épilure de l'œuvre chasseur, boucher ou bourreau, ainsi que des monstres anthropophages issus de la mythologie grecque, les titans géants, les cyclopes ou minotaures. Selon Boulounier, différents personnages imaginaires se présentent par ailleurs comme des avatars de l'œuvre. Le diable en serait une idée religieuse. Le loup, maître de pour sa férocité en Europe, est comme l'œuvre associée à la forêt, à la solitude et à la faim, pensant son incarnation à un petit chef rouge. La sorcière, dans le conte de Guy, dans le conte des frères Grimm, Jean et Marot, s'avère aussi ogresse. Dans les contes merveilleux, le conte ogresse est en deux l'hypose ou la progéniture de l'œuvre, comme dans le petit E, comme le petit pousset de Perrault. Tantôt un être doté d'une prédilection pour la chair, ainsi la sorcière dans Jean et Marot, la belle-mère dans la tête de bois de mort de Perrault. La barbe bleue, hôte inquiétant qui assassine ses époux indiscrets et conserve leur corps ensanglanté, dans le monde des poignées, peut également être considéré comme une valeur de l'œuvre. Dans son ouvrage The Ogre's Progress, Jonathan Crell note que la fiction francophone met en scène depuis 1870, notamment avec l'apparition du roi des ombres de Michel Tournier et de l'œuvre du Suisse Jacques Chétex, la renaissance de l'œuvre, désormais perçue comme une métaphore de l'acte de dévoration sous ses différentes formes. Patrick Bergeron, à la suite de Crève, note un changement dans la fonction de la du monstre depuis quelques décennies. Si l'œuvre anthropophage des contes traditionnels du XVIIe siècle effrayait les enfants, ces derniers s'identifiaient des protagonistes en tant que toujours vainqueurs de leur affrontement avec l'œuvre, qui le visitait souvent à berner et à tuer. L'œuvre contemporaine, le plus souvent triomphant en vertu d'une inversion maligne du mythe, participe, selon Bergeron, à la fascination contemporaine pour les figures criminelles sadiques, ou le cannibale, dont Sophie nous a donné un exemple. On comprendrait que les œuvres, qui sont toutes les apanages des textes destinés aux enfants, plaisent plus jamais plus qu'avertis, parfois avec du genre de l'horreur. Tous les auteurs contemporains, hormis peut-être Kenneth Cloutier et Pascal Baudinard, imaginent des œuvres mangeurs d'enfants. Brigitte Lejeune rappelle à la suite de Pierre Alboulis que, je cite, le mythe littéraire est un personnage hérité d'une tradition orale littéraire que divers auteurs traitent et modifient librement et pour lesquels à chaque reprise s'ajoutent nécessairement des significations nouvelles. D'après Arlette Boulounier, les occurrences contemporaines du mythe de l'œuvre dénotent son champ premier d'application, à savoir la sphère alimentaire. S'immisçant dans le domaine du cannibalisme imaginaire, il incarne tour à tour sur un mode hyperbolique la mangerie, le père castrateur, la mère possédée, à l'origine des expériences de fusion-contusion que sont la pédophilie et l'inceste. Il peut encore le bien dans le contexte de la montée des idéologies totalitaires, l'avatar du dictateur moderne. Pour Crève, la renaissance de l'œuvre à la fin du XXe siècle s'inscrit dans un contexte où la France a vu pour la première fois sa participation volontaire à la Shoah et sa triste tradition de violence envers les femmes et les enfants. Les figures de l'œuvre politique et de l'œuvre sexuelle qui rendent la position littéraire subséquente, c'est une conséquence de ce culte de la mémoire. Figures complexes et ambivalentes, les œuvres métaphoriques, qu'ils soient personnages ou idées, sont omniprésents selon le chercheur, signifiant des violences dirigées vers l'autre ou retournées contre soi, des conflits armés ou massacres génocidaires, en passant par la maltraitance infantile ou des troubles alimentaires. L'œuvre est une figure particulièrement évocatrice qui témoigne du caractère duel de l'homme et incarne à la fois le monstre en soi et le monstre au-delà de tout. Si plusieurs écrivains ont voulu mettre en scène des œuvres, pensons seulement à Pascal Bruckner, Daniel Pénal ou Samuel Boutancy, la littérature contemporaine au féminin réinvestit également ces figures, en se donnant parfois à une subversion du monde. Ainsi, toute exploration ne porte plus ce qui demeure, je l'ai vu, encore fondamentale. J'ai l'intuition que les textes écrits par les écrivains sont le plus souvent en scène, mais pas exclusivement, les incarnations de cette œuvre sexuelle dans la Crève, à la fois séducteur et agresseur, chez qui les appétits alimentaires se rencontrent aux appétits
visage humain incarne diverses facettes d'une violence exercée contre les femmes et les enfants, souvent à travers la sphère domestique. Ainsi, un mangeur de Michel, le l'interphage, avec une curieuse condition génétique, avale d'une bouchée sa fille unique alors qu'elle attend la visite d'un prétendant qui menace la pérennité de leur union incestuelle. Épouse et père tyrannique dans le cercle vert dans le temps d'un vie. Le docteur Dieu agonisant d'un cancer dans sa maison de Maurice, se remémore les ennemis infligés à sa défunte épouse, la marmite de riz brûlant qu'il renverse sur sa tête et la lunette qu'il jette sur un pan de son sexe. D'après Crève, alors que Cronos est le prototype mythologique de l'homme, le grec est semblé plutôt d'Aphrodite, ainsi le remémant dans le début de Muriel Spahr. Plus belle que belle, qui incarne à la fois la victime des bisexuels et regrette ses habitudes assassinées. Pour Patrick Bergeron, le tableau récit La marchande d'enfants de Gabrielle Whitcup, ainsi que le récit L'ogresse de Dina Psyché, revisite pour leur part la figure de l'ogresse sexuelle, amorale et ambiguë, en utilisant une approche de l'abjection. La Marguerite Paradis de Whitcup, tenancière d'une maison close pour libertaire où elle abuse des enfants perdus du Paris du 18e siècle, explique crûment sa correspondance à son ami Louise qui envisage le même outil, mais aussi la rencontre. Le récit d'écrivain résulte un scénario d'agression pédophile. Toujours selon Bergeron, le grec cannibale, surconnu de Dina Psyché, auteur québécois d'origine martiniquaise, a pour savoir irrité de l'écriture, ce don et maître qui lui permet d'expérimenter, et je cite, une forme singulière d'extase qui naît de la conjonction de l'humain dans son sexe et dans sa bouche. Cannibalisme, meurtre, nécrophilie, inceste, infantiphagie, autophagie, voilà autant de thèmes abordés par le roman Psyché. Ainsi, objet et ogresse dans la littérature contemporaine des femmes appartient parfois à des cellules familiales dysfonctionnelles, abusent de leur pouvoir sur l'autre plus faible et assurent sur leurs habitudes alimentaires, sexuelles, avec fureur, violence et délectation. Je vous propose d'en parler à présent un second d'analyse proche des textes en attendant la position de l'écrivaine belge Annie Lefond, que j'ai cité dans ma thèse à partir d'un autre angle d'approche et dont Annie nous a parlé tout à l'heure. Si les récits anatomiques ne font pas explicitement référence au livre de l'œuvre, ils proposent tout de même des variations significatives de l'œuvre sexuelle en magie. Le cycle autobiographique d'Annie Lefond met en scène le sujet atteint d'une problématique de l'incorporation dont le corps sud peut être empilé vidé, comme le dit tout à l'heure. La narratrice qui détend dans la biographie de la fin et la fin c'est moi, prétend durant l'enfance une surfaim qui a pour objet les friandises, l'eau, l'alcool, les paysages grandioses et l'affection d'objets d'amour féminin. Celle-ci l'esprit progressivement passe chez les personnages qui ont une inhibition de la zone d'horreur, qui se traduit à l'adolescence par des privations anorexiques et en but de freiner la liberté, qui marque pour les petites filles la chute hors du paradis. Il signale le deuil d'un paradis méprisé auparavant perçu comme parfait. C'est donc une univers narratif traversé par divers fantasmes anorexiques, présents à la fois dans le roman biographique et dans les fictions, qui s'enracinent chez Annie, notamment cette thématique de la dévoration qui nous rapproche de l'œuvre. L'écrivaine met en scène dans sa production plusieurs protagonistes obèses, le plus souvent des hommes cruels et ou amoureux ayant des pratiques alimentaires singulières, à nouveau le parler encore. Notons celui qui se donnait à l'éthique, rappelle pour elle le sumo. Ce lutteur japonais vit comme un demi-dieu, qu'elle a côtoyé durant son enfance nibone et découvre son père diplomate. L'écrivain déclare en entrevue que l'obèse incarne dans une imagère en aide d'héroïque, condamnée par l'abondante nourriture qu'il a mangée, et qui a longtemps été pour elle associée au mal. La cruauté de l'œuvre notamment est notamment mise en lumière dans un super tremblement où M. Omochi, l'obèse vice-président d'entreprise nibone Minimoto, force à la narratrice, le personnage de Minnie a mangé du chocolat à verre lorsqu'elle vient lui présenter cette émission au terme de son contrat, dans la citation de l'écran. Il commet ce qu'elle présente comme un viol verbal sur la jeune demoiselle Maurice qui l'est jouée publiquement dans une agression où se confondent oralité et génitalité. Par 1995, le roman Pétinal gravite autour de Juliette et Émile. En tout cas, retraité comme on l'a tout à l'heure aussi, vous avez rencontré une promenage dans la maison de Thérèse, en retrait du village de Maube, dans l'espoir de vivre une solitude à deux en communion avec la nature. Ils ont pour seul voisin une imposante à la maternelle, qui loge avec son épouse interne Bernadette à quelques centaines de mètres de leur maison. Tous les jours de 16h à 18h, Pamela rend à Émile et Juliette une visite incommodante, s'asseyant dans un fauteuil en silence et se montrant agacée lorsque le couple essaie de savoir davantage sur eux. Au contact du taciturne et envahissant à la même, l'irritation d'Émile croît, quelque chose que brise dans l'ancien professeur de nos patients,
tandis que bien qu'il décide d'en finir avec l'important, il perçoit comme un tortionnaire, incapable de plaisir, et ne vivant que pour vacher sur tous les autres, à commencer par sa femme, qui est bien enfermée et prive des douceurs sucrées dont elle raffole. Bernadette Bernardin est pour sa part décrite comme un kyste, un énorme organe digestif, une créature féminine à la limite de l'humain. Inoffensif malgré son physique ingrat, elle est contrairement à son époux, demeure joyeuse et capable d'un plaisir quasi sexuel lorsqu'elle avale de la soupe au chocolat. Le grain dans le cardinal, davantage trouvé la jouissance et la destruction. Après les sept à la même, le couple adopte en quelque sorte Bernadette qui devient pour Juliette un enfant de remplacement, en fait pour pas qu'elle n'a jamais vu, tout simplement. Émile demeure jamais changé par son corps à corps funeste avec l'envahisseur qui est dans ce cœur et que quelqu'un pourrait voir comme un avatar de l'autre. L'édition de Mégalodon met par ailleurs en scène des œuvres amoureux qui absorbent l'être aimé pour le posséder, dans le cadre de cannibalisme métaphorique. Dans cet esprit, Lorraine Manieux signale que pour les héros de Mégalodon, l'acte de tuer se confond avec l'acte d'aimer. L'absorption est une identification avec l'autre, concernée ici, à l'intérieur de soi. Je vais sauter l'extrait comme on a plus le temps. Je vais vous rapporter que pour en fait, un extrait de l'anime de qui parle un peu de sa démarche et des personnages qui s'adonnent à l'absorption de l'autre en soi. Alors, Crène rapporte que pour Pascal Brouillard, l'homme le plus souvent est celui qui étouffe l'être cher par excès d'amour. Ici, la psychanalyste Christiane Bollivier qui déclare à cet égard que cette passion dévorante peut résulter de l'incapacité d'un parent ou d'un amant à reconnaître l'identité distincte des êtres. L'homme aspire à une relation synthétique avec l'autre. Il cherche un retour à l'état d'indifférenciation primaire vécu à l'intérieur de l'humanité. Et ce, peu importe le prix à payer pour l'objet d'amour. Dans la création des développements à travers la psychanalyse, Marco Kobielka relève dans son esprit la présence de plusieurs cellules autosuffisantes de jumeaux dans l'œuvre notonienne. La chercheure explique que les couples notoniens, souvent placés sous le signe de la génialité, vivent une fusion avec l'autre soi-même dans un jardin idyllique. Pourtant, les jumeaux sont souvent séparés par un intrus, par la puberté, par la mort, par exemple, ce qui génère chez eux un sentiment d'inconvénitude. Comme il y a le corps rapporte que le jumeau délesté, souvent un homme, essaie tout prix de retrouver son couple féminin perdu, allant jusqu'à l'emprisonner, l'assassiner ou se suicider pour l'obséder lui-même. Dans l'hygiène de l'assassin, premier roman publié par Noton, Mikimov dégénère pour l'exploitage, prix Nobel de littérature et atteint un cancer des cartilages il n'y a plus que deux mois. Les journalistes se massent à son sujet, à son chevet, mais sont tous défaits et nauséeux de leur entretien avec le tyran indiqueux qu'ils écrivent comme le messie de l'obésité. Le vitriolique prétexteur prend plaisir à tout parler de ses interlocuteurs en utilisant son corps malgré son handicap. Par son simple regard, je sentais qu'il me digérait, qu'il me dissolvait en l'issue de son organisme totalitaire, dit un journaliste. Mais aussi et surtout par ses propos assez humbles. Prétexteur conduit ici avec joie un journaliste au bord du vomissement, lui détaillant ses troubles alimentaires grâce à ses derniers, en témoigne les traits cités à l'écran, dont quelques références sont éclairées. Entre enfin en scène la journaliste Elena, maîtrise perspicace, qui entraîne Prétexteur dans une joute verbale, à l'issue de laquelle l'écrivain avoue l'assassinat de sa cousine Léopoldine, qui l'a jadis commis, et qui l'évoque dans un unique roman aussi inachevé. Notons qu'après cet assassinat de Léopoldine, près du lac adjacent au château familial, le jour de ses premières règles, Prétexteur, de jeune homme divin, devient un obèse misanthrope hanté par le souvenir de sa cousine qui l'a cannibalisé symboliquement au moment où il a étranglé pour la sauver des griffes. Prétexteur déclare finalement son amour à Nina. Il convainc qu'elle présente désormais, qu'elle préconstitue désormais son avatar et lui demande de l'étrangler. Crème signale à cet égard que dans plusieurs histoires d'ordre, la victime expérimente un volte-face et devient elle-même hors de l'ex. Au début du roman Barbe Bleue, publié en 2012, par un temps, cette journée puissante, jeune professeur à l'école du Louvre, fait pas une échange annonce de colocation, et on ménage avec l'aristocrate espagnol Don Emilio Oliva et Militar, malgré le mystère entourant la disparition de ses huit colocataires de ce monde. Mais dans des appartements luxueux, elle se voit interdire l'accès à la chambre noire du photographe en même. C'est autour de repères partagés que cette journée et Don Emilio font connaissance. Parce que cette journée n'approuve la combinaison chromatique des yeux serrés dans les vols dorés. L'aristocrate Militar illico son amour. Il boit régulièrement du champagne, écrit comme de l'or liquide, et partage également les plats qu'il lui donne de l'humilité. Saint Honoré, homard, caviar, verzuela, un réconfortant, cet assassin cuisinait à merveille, déclare cette journée. Adèle Couturier-Philippe les couleurs, donne une mérite confectionne pour la jeune femme une jupe d'Orpérignon à la double jaune, un habit pour le corps et pour l'âme, qui gagne la vieillesse cette journée. Pour
l'Église. Nous voulons jeter dans le temps que les présidents peuvent aider à son nom que je lui, après avoir franchi le seuil de la chambre noire. Les alliances de la pièce aussi refroidies par le dispositif cryogénique. Tommy Nimerio affirme avoir aimé ses femmes avec tout ce qu'il est, y compris le destin. La chambre noire est devenue ainsi. Il expose les portraits de chacune des défunts qu'Abora normalement aux vêtements colorés fabriqués pour elle. Cette tournée impose alors une séance de photos d'elle bien vivante avec la jupe en brillant et du champagne. Lorsque Don Emilio l'invite enfin dans la chambre noire, cette tournée s'oppose à ce qu'on accroche son portrait dans ce frigo de boucherie. Il y enferme aussitôt l'homme qui refuse d'accéder à sa demande. Cette tournée invite son ami Corinne à boire du champagne avec elle sur un banc de parc toute la nuit. Quand Don Emilio décède frigorifié, cette tournée se change en or, couleur solaire, caractéristique, pardon, qui contraste avec la teinte bleutée de la dépouille jolie. The Blue Beard's Egg de Margaret Atwood à la Yavé de Luisa Valenzuela, en passant par les portes closes de Loris Saint-Martin et les stands de Louis-Louis. Un nombre croisant d'écrivains d'époque depuis les années 70 dans leur production la figure de Barbe-Bleu. À la fois avatar de l'orémie littéraire et courant, ce personnage fictif, introduit par Charles Perrault, s'inspirait au dire de certains par une figure historique dont Gilles Lorrain, compagnon d'Anne de Jeanne d'Arc, où le roi anglais Henri VIII. Je vous ai aussi les propos que Thierry Gilles le jouait dans son intéressant article à l'écriture des mythes comme lieu de passage, l'exemple de Barbe-Bleu. Cette barbe bleutée, rappelant la barbiche de Lucifer ou évoquant une vision stéréotypée de l'étranger oriental, a souvent été interprétée comme la vue d'une sexualité masculine exacerbée ou perverse. Par leur écriture, les écrivains insèrent parfois des éléments inédits actuels ou évoquent des contes apparentés, ainsi sur les frères Grimm, des mille et une nuits ou encore du marquis. Toujours selon le geste, la reconstruction du mythe s'appuie sur divers fromages de mythes. Parfois, Barbe-Bleu est invernée. Il arrive qu'il disparaisse au profit de sa victime, jamais nommée dans le conte original. Dans la nouvelle The Room of His Own, de Sumiti Matjoshi, qui dénonce implicitement les textes dont celui notamment montrant la protagoniste comme fautive puisqu'elle n'a pas respecté le désir d'intimité de son mari. C'est la non-curiosité de la femme qui lui est fatale. D'autres auteurs témoignent le recueil collectif de Brian Bluebeard's Wise, commentant plutôt le droit des femmes à un espace qui leur soit propre. Pour le geste, les réécritures féminines du conte de Barbe-Bleu questionnent souvent les conditionnements sociaux ou moraux et les mauvais traitements dont les femmes font l'objet. Je rappellerai en conclusion que la figure de l'œuvre, mythe littéraire, qui porte encore la trace des contes de Perrault dont il est issu, fait l'objet d'une renaissance dans la littérature francophone et épidémique. Métaphore de l'acte de dévoration sur les différents formes, le peuple contemporain s'inscrit dans le champ du capitalisme imaginaire. Il y a différentes formes de violence, qu'elles soient alimentaires, politiques, familiales ou sexuelles. Les récits contemporains de femmes mettent à mon sens en scène une majorité d'homosexuels qui s'inscrivent le plus souvent à l'intérieur des cellules familiales où ils jouent le rôle de parents sexuels, d'amants sadiques ou d'époux tyranniques, qui s'adonnent parfois malgré eux à des décorations amoureuses, réelles ou fantasmatiques, visant à garder l'autre monstre. Le reste, végétarien ou cannibale, est à ce jour encore moins présent dans les textes. Et apparaît pour sa part comme une force séductrice, une maquille cruelle ou un être affamé d'une force.